Les riverains de la cité Sipim, Sirène derrière Waf, dans la commune de Port-Bouy, ont célébré les 20 ans d'existence de leur cité. Un anniversaire qui a pris l'allure d'un festival. L'ancien concert de la République de Côte d'Ivoire a été fêté le 7 août, aussi bien à Abidjan que partout à l'intérieur du pays. Dans cette édition, les temps forts de cette célébration à Amélégui et à Soubré. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre les informations sur Business 24 Africa. La société ivoirienne de promotion immobilière Sipim, c'est connu, est une société qui a réalisé de nombreuses cités à Abidjan. De plus en plus, les habitants devenus propriétaires réussissent à organiser la vie en copropriété. C'est le cas des riverains de la cité Sipim Sirène derrière Waf dans la commune de Port-Bouy qui ont décidé de célébrer les 20 ans d'existence de leur cité. Un anniversaire qui a vite pris l'allure d'un festival. Nous disent nos reporters, Mondesi Nascimento Odifini et Marie Seri, dans un commentaire de Lawani Babatunde. Dans la commune de Port-Bouy à Abidjan, la cité Sipim Sirène célèbre ses 20 ans d'existence. Une célébration aux accents de carnaval, car pour l'occasion, c'est tous les riverains qui partagent depuis 20 ans la copropriété qui ont décidé de faire montre de leur talent. En tout cas, c'est une bonne idée, une très bonne idée. Merci. Parce qu'il y a longtemps qu'on avait besoin de se réunir ici. Depuis un bon moment, mais là, on est tous là, heureux, contents de voir la jeunesse, ça va bien. Oui, c'est bon, ça me fait toujours chaud au cœur, toujours mon mot. Et j'aurais voulu que chaque année, on organise ce festival. C'est super quoi. Ce mini-festival de proximité est à l'initiative de la structure No Wealth Event, en collaboration avec l'association des jeunes de Sipim Port-Bouy, dont les objectifs sont entre autres fédérer les riverains autour d'une jeunesse talentueuse. Je suis très heureux de pouvoir organiser ce festival déjà pour aider nos amis jeunes. Ensuite, pour célébrer les 20 ans d'existence de notre cité qui nous a vu grandir, qui nous a vu devenir des personnes responsables et aussi fêter la fête d'indépendance avec tous nos parents, toute la cité, réunir toutes les familles, voilà, tous sur un même espace, en vue de renforcer cette cohésion sociale qu'il y a toujours eu dans notre cité. Voilà, donc ce soir, je suis vraiment très heureux que ce pari soit réussi. La cité Sipim Sirène de Port-Bouy est le produit des sociétés ivoiriennes de promotion immobilière. Depuis 1997, ils sont plus de 2000 riverains à s'y plaire à cause du cadre de vie remarquable des fonctionnaires de l'aéroport international Félix Kouboï en majorité. C'est une joie. Et la jeunesse est allée au-delà de nos espérances. Parce qu'aujourd'hui, c'est une joie pour nous. Notre jeunesse a grandi avec ce festival. Et nous tenons à dire que c'est quelque chose qui sera immortalisé. 20 ans d'existence. La célébration des 20 ans du quartier Sipim Sirène de Port-Bouy s'est achevée avec des promesses, celles de perpétuer ce genre d'événement qui contribue à encore rapprocher les habitants et par la même occasion, leur permettre de réfléchir sur l'amélioration de leur cadre de vie. La Côte d'Ivoire a fêté le 7 août 2017 les 57 ans de son indépendance. Comme chaque année, la fête de l'indépendance a été célébrée aussi bien à Abidjan que dans les villes de l'intérieur du pays. Plongeons-nous dans la célébration des festivités marquant l'an 57 de la République de Côte d'Ivoire dans les villes d'Amélégui et de Soubré. Dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, la place de l'indépendance de Soubré a servi de cadre à la commémoration du 57e anniversaire de la proclamation de l'indépendance du pays. Défilé militaire. Oui, présentation civile des couches socio-professionnelles de la région de la Nawa.
Dans son adresse aux populations, le préfet Ali Ali Kouadio a tenu d'abord à remercier les producteurs de cacao de la région de la Nawa pour leur comportement exemplaire lors des différents événements. Il s'agit notamment de la chute des cours du cacao qui a durement affecté la vie des producteurs qui, malgré tout, sont restés dignes et n'ont pas suivi certains syndicats qui prônaient des actions de violence et de protestation. Grâce à des réponses énergiques apportées par le gouvernement sous la haute direction du président Alassane. Abordant le chapitre de la construction du barrage hydroélectrique de Soubré, le préfet s'est réjoui de la coopération et la bonne compréhension des populations impactées et du concours des forces de l'ordre qui ont favorisé une bonne exécution des travaux. Il a rassuré les populations impactées quant au respect des engagements pris à leur égard par l'État pour leur indemnisation et leur réinstallation totale. C'est un plaisir pour nous de participer à la célébration de la fête nationale de notre pays. Aujourd'hui, la peuple va attendre le jour de la paix. Nous souhaitons que les Ivoiriens se mettent ensemble afin de pouvoir favoriser le développement de notre pays. Afin que les droits de l'homme soient véritablement respectés, non seulement en Côte d'Ivoire, mais surtout dans notre région. Après Soubré, rendons-nous à présent à Bangourou, dans l'est de la Côte d'Ivoire, précisément dans la sous-préfecture d'Amélékia. Ici, c'est le village d'Elenso qui a été choisi pour les festivités de l'an 57 de la République de Côte d'Ivoire. Défilé civilo-militaire. On a toutes les forces et vous, parce que depuis 2005, il est avec nous. Ces dames ont participé à toutes les fêtes de l'indépendance depuis 2005. Mais surtout, démonstration de l'art traditionnel avec notamment la danse à Bodan, danse des grands événements du peuple Agni, pour laquelle le talent des femmes d'Amélékia a dépassé les frontières de la sous-préfecture. L'indépendance à Amélékia a été l'occasion pour le sous-préfet Marc Kouadio de se féliciter du développement dans la localité en termes de construction d'écoles primaires et d'électrification. Reconnaissant l'impact négatif de la mévente de certains produits de rente, tels le cacao et les VA, le sous-préfet a invité les producteurs à la patience. Marc Kouadio a également invité la jeunesse du village d'Elenso au civisme. Au cadre, il a recommandé la création d'une mutuelle de développement, une exhortation à l'union afin de porter à bout de bras le développement. Mais la Côte d'Ivoire, notre chère patrie à nous tous, en ce jour mémorable du 7 août 2017, nous demande, voire nous encourage, même à persévérer dans la dynamique de la réconciliation pour le bonheur des populations. Les doléances du sous-préfet d'Amélékia ne sont pas tombées dans des oreilles de sourds. Mais nous pensons que nous saisissons cet appel au bon. Nous allons tout mettre en œuvre pour que cette mutuelle-là puisse se faire connaître, pour que cette mutuelle-là puisse participer activement à tout ce qui se fait. De façon unanime, à Amélékia, il a été décidé que l'année prochaine, les festivités marquant l'an 58 de l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance soient célébrées dans le village de Kouatienkro. Et c'était un récit signé Jérémy Aouré. Au chapitre des informations en bref et en images, rendons-nous en Afrique du Sud où dans un communiqué, le directeur financier du groupe Vodacom a déclaré que son entreprise est heureuse d'annoncer que la transaction Safaricom, qui est la plus importante de l'histoire de la société, a été finalisée. La société a en effet obtenu les approbations du département de surveillance financière de la Banque des réserves d'Afrique du Sud et celle de l'autorité kényane du marché des capitaux pour acquérir 35% d'actions de l'opérateur de téléphonie mobile Safaricom nécessaire à la conclusion de cette opération. Toujours en bref, cette fois au Nigeria, où Union Bank of Nigeria, un groupe financier coté sur le
Nigeria Stock Exchange a indiqué disposer de suffisamment de provisions pour couvrir son exposition d'un montant total de 10,69 millions de dollars au stock de la dette de Neuf Mobile, l'entité qui a succédé à Etisalat Nigeria, qui était contrôlée à 40% par Etisalat et 45% par un fonds souverain des Émirats Arabes Unis et 15% par un homme d'affaires nigérian. Fin de cette information, j'ai été très ravi de vous l'avoir présenté. Je vous donne rendez-vous mercredi 21h pour un nouveau journal. Restez sur la chaîne de l'économie.